New York, 11 septembre 2001. Devant nos yeux incrédules s'effondrent les tours jumelles et avec elles nos espoirs suscités par la chute d'un mur à Berlin. En ce début de 21e siècle, notre monde bascule dans un nouveau temps, celui du terrorisme mondialisé. Un monde où le djihadisme tue tous les jours, rongeant les bases de nos sociétés ouvertes et démocratiques. Des assassins qui haïssent nos libertés et qui veulent nous contraindre à changer notre manière de vivre et d'envisager l'avenir. Paris. Voici Atmo. Ce musicien a un passe-temps favori, Internet. Le site qu'il administre, c'est Reopen 9-11, un site d'information, mais d'information citoyenne. Le but, c'est de porter à la connaissance du public des informations pseudo-alternatives, c'est-à-dire qui ne sont pas toujours diffusées dans les médias mainstream. Donc la révolution, c'est qu'aujourd'hui, notre blog accueille 3 à 5 000 personnes par jour. On devient du coup un média. C'est de l'information citoyenne gratuite. Alors, on est des journalistes non rémunérés, non professionnels. Donc, non, on n'est pas des journalistes, on est des citoyens. On ne cherche pas à imposer nos informations comme un drapeau où on ne va pas gueuler dans la rue. Ouais, on a la vérité. Non, on cherche juste à ce que des informations qui fassent le contrepoint soient à disposition du public. Les informations que postent Atmo et son réseau, une centaine de membres, concernent le 11 septembre. Selon eux, les tours du World Trade Center ont été dynamitées. Aucun avion ne s'est écrasé sur le Pentagone. Ou encore, les enregistrements de Ben Laden revendiquant les attentats ont été trafiqués. De fausses informations véhiculées à l'origine par un activiste, Thierry Messant, dans son ouvrage « L'effroyable imposture ». Des thèses qui explosent sur Internet grâce à la vidéo en ligne. Loose Change, leur film culte, a été téléchargé 100 millions de fois. C'est 100 fois plus de spectateurs que l'émission que vous êtes en train de regarder. Aujourd'hui, nous sommes avec Yves et Stéphane, deux bénévoles de Reopen 9-11. En plus de leur activité sur Internet, ils distribuent des tracts dans les rues de Paris pour l'avant-première d'un nouveau film sur les attentats. Soyez-vous intéressé par un film événement sur le 11 septembre qui sera diffusé à Paris, deux rues d'ici, lundi à 20h, avec des témoignages inédits, des survivants, par exemple, vous avez le concierge de la Tour Nord qui a entendu des explosions avant que l'avion percute la tour. Le 11 septembre, ça a duré. Et pour vaincre la résistance des passants, tous les arguments sont bons. La chasse. Ben Laden les a quand même revendiqués. Non, c'est faux ça. Enfin, pardon. C'est un mythe médiatique. Il y a une vidéo qui est sortie où Ben Laden avait un gros nez et un menton carré où il revendiquait. Mais enfin, c'était un faux grossier. La CIA a beaucoup de talent pour produire les fausses vidéos. Un autre de leurs arguments phares, l'effondrement de la troisième tour, la numéro 7. Quand vous voyez un bâtiment s'effondrer. Incendiée par les débris du World Trade Center, cette tour se serait écroulée de façon trop parfaite. Donc la tour numéro 7. Regardez bien le V en haut. Voilà, bien propre, bien régulier. En 6 secondes et demie. 6 secondes et demie. Effondrement par le bas, vertical. Elle était évacuée. Et le plus étrange encore, parce qu'on nous dit que c'est le feu qui a fait effondrer la tour, le plus étrange, c'est que les gens étaient préparés à son effondrement. Autant dans les tours jumelles, ouais. il y avait le centre boursier du monde. Là, voilà, voilà. Mais là, dans la tour 7... La tour 7, il y a une hypothèse, c'est que c'était l'endroit... Le quartier général, à la limite, où voilà, tout aurait été... C'était le point à partir duquel les attentats auraient été organisés. Peut-être qu'il y avait des preuves très compromettantes à cet endroit-là, qu'il fallait les faire disparaître toutes de façon définitive. 20h. Nous sommes avec Chiesa à l'avant-première de Zéro, au Mégarama, un cinéma multiplex de Bordeaux. Une centaine de personnes se pressent au guichet, dont Stéphane Felici, la vice-consul d'Italie. Officiellement, Reopen revendique le droit au doute. Le droit de porter un regard critique sur les informations données par la presse.
Et quoi de plus sain et légitime en effet pour des citoyens responsables? Le problème, c'est quand le questionnement laisse place à d'étranges certitudes. Merci. Et cet avion était piloté à l'extérieur. Il n'y avait pas d'équipage. Et à l'intérieur de l'avion, il y avait un missile. Et donc, je pense que la version, c'est qu'ils ont éliminé l'avion avec les passagers, je ne sais pas comment et où, et qu'ils ont utilisé un autre avion qui n'avait pas de pilotage et qui est arrivé sur les Versailles, sur le Pentagone, et après, il a explosé le missile. C'est ma hypothèse, mais je ne peux pas le prouver. Je vous dis que... Un avion piloté de l'extérieur, un autre qui disparaît mystérieusement. Pourtant, il est avéré que le vol 77 d'American Airlines a bel et bien été détourné par Al-Qaïda et qu'il s'est écrasé sur le Pentagone. Je voudrais savoir en fait si vous avez des précisions un petit peu sur qui c'est qui a organisé les attentats du 11 septembre, qui aurait fait tout ça en fait. Maintenant, nous savons que Osama Bin Laden n'était pas le coupable. Parce qu'il y avait une organisation très large dans laquelle certainement ont participé une partie des services américains, une partie de la service de l'Arabie Saoudite, une partie des services pakistanaises, probablement le Mossad, probablement. C'est impossible de reconstruire cette géographie parce que c'est très secret. Même les services secrets américains n'ont pas cette information. Les services secrets sont structurés dans une façon dans laquelle ceux qui organisent ces choses-là sont au dehors de chaque contrôle. Je vous dis franchement, je suis convaincu que nous sommes dans un grand danger. Nous mourrons, certainement. Millions de personnes vont mourir dans cette hypothèse du monde futur. Mais ils pensent qu'ils vont survivre. Et c'est le danger qu'il organise la guerre pour éliminer une partie de la population mondiale. C'est évident. Il y a à l'évidence aussi une espèce de croyance au sein de la communauté musulmane. C'est de considérer que, déjà du temps du prophète, des juifs ont essayé d'assassiner Mahomet. Il y a aussi l'idée que les juifs n'ont pas accepté le prophète Mahomet. Vous savez, c'est exactement comme les chrétiens, pendant des siècles, ont perçu les juifs comme déicides. Ils n'ont pas accepté le Christ, ils l'ont même tué, donc voilà. Et bien chez les musulmans, on retrouve un peu la même idée, que les juifs ont voulu tuer le prophète, ils ne l'ont pas reconnu en tant que prophète, donc ils sont dans l'erreur, puisqu'ils sont les ennemis du prophète Mahomet, etc., etc. Le djihadisme terroriste d'aujourd'hui est à la fois messianique et complotiste. Et ces deux dimensions seront le soubassement profond de ce mouvement, de ce dispositif. Alors les schèmes et les fantasmes du djihadisme, ils sont beaucoup moins dans le Coran que dans toute une mythologie à la fois complotiste et apocalyptique, hein, qui ne sont pas dans les textes canoniques de l'islam, mais qui sont greffés dans la tradition de l'islam, qui produisent ce que j'appellerais l'imaginaire de la terreur. Et c'est un imaginaire qui est très proche de celui qui a conduit autrefois à la chasse sorcière et au XXe siècle, à la Shoah et aux exterminations nazies. C'est quelque part le même imaginaire, ce sont les mêmes schèmes qui de siècle en siècle réapparaissent pour semer la terreur et la mort. L'histoire est pleine de croyances et de fantasmes complotistes dans lesquels l'antisémitisme occupe une place de choix. Mais c'est au début du siècle dernier que le mythe du complot juif va prendre son essor, notamment avec la diffusion à l'échelle planétaire des protocoles des sages de Sion. Ce faux document, fabriqué par un agent de la police secrète du tsar Nicolas II, se présente comme un programme de conquête du monde par les juifs et les francs-maçons. Dès les années 1920, la vision paranoïaque colportée par ces protocoles se répand dans tout le Moyen-Orient. Encouragée par la propagande nazie ensuite, puis stimulée par les conflits israélo-arabes après la création de l'État d'Israël, la diffusion de ces protocoles s'étend au Moyen-Orient, imprégnant profondément l'idéologie islamiste. Profondément ancrée dans l'imaginaire de l'islam radical,
La croyance que les chrétiens et les juifs fomentent en permanence des conspirations contre les musulmans a fini par devenir une justification implicite au passage à l'acte terroriste. وكنت أقول إن أموالنا يأخذها الأمريكان ويعطوها اليهود فيقتلوا بها إخواننا في فلسطين فهذا فرض عين وهذا فرض عين وفروض أعيان كثيرة جدا في الجهاد وفي الجبهة التي أنشئت قبل بضع سنين كان عنوان ومسمى الجبهة الجبهة الإسلامية للجهاد ضد اليهود والصليبيين Laissez-les ne pas dormir. Laissez-les dans le stress. Laissez-les dans l'insécurité. Il y a des armes, il y a des voitures, il y a des cibles prêtes. Tuez-les, crachez-leur sur le visage, écrasez-les avec vos voitures. Depuis les assassinats perpétrés par Mohamed Merah à Toulouse et à Montauban en mars 2012, le terrorisme islamiste a frappé lourdement et à de nombreuses reprises sur tout le territoire français. Charlie Hebdo, Montrouge, Hyper Cacher, attentat du 13 novembre à Paris, Saint-Quentin-Falavier, Thalys, Magnanville, Nice, Villejuif, Saint-Étienne-du-Rouvray, aéroport d'Orly, Notre-Dame de Paris, Champs-Élysées, Carrousel du Louvre, Levallois-Perret, Marseille-Saint-Charles. Une liste macabre dont rien n'annonce malheureusement la fin. Abdallah et Béchir Saadi ont perdu leurs sœurs Oda et Halima. Elles étaient attablées à la terrasse du bar La Belle Équipe. Mes sœurs étaient là ce soir-là. Ils auraient pu taper sur la terrasse à côté. Ce qu'on a subi, nous, dans la famille, il y a des gens qui le subissent tous les jours. On se rend compte que tous les jours, il y a des familles qui sont touchées par ce fléau-là. Des fois, on le prend un peu entre parenthèses. Quand on allume la radio et qu'on écoute, ouais, il y a eu un attentat là. Un attentat, c'est des morts, quoi. Des familles brisées. Je ne crois pas à la théorie du complot, mais comme je ne suis pas là à prendre l'information telle qu'elle m'est présentée aujourd'hui, on ne sait pas réellement ce qui se passe. Et c'est vrai que, pour le coup, à notre niveau, je me dis on est triplement, voire... quadruplement victime, dans le sens où c'est notre pays qui est touché, déjà. Donc ça, c'est quand même... Voilà, c'est quelque chose d'affreux. Nos sœurs qui sont touchées, nos amis, je vous raconte même pas, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est notre appartenance religieuse qui est touchée également, parce que derrière tout ça, qui est-ce qui a été pointé du doigt ? Ben, clairement, c'est les musulmans. Je vais essayer de faire vite parce qu'au niveau des batteries là, c'est pas la joie. Voilà, en fait, je voulais juste dire, les attentats de 2015 marquent vraiment le début de ma décomplotisation. J'invente même un nouveau mot. C'est à partir de ce moment-là que mon complotisme a commencé, que j'ai commencé à me défaire du complotisme. Effectivement, du complot, effectivement, les islamistes, réellement, je réalisais que c'était du vrai. Autour de moi, tout sautait, quoi.
autour de moi, tout seul. C'est-à-dire dans le 11e, il y avait je ne sais plus combien d'attentats, la même soirée. Hein. Et je fais « Wow !» Et les victimes. Et voilà, le Bataclan, c'est pas loin. Le stade, etc. Enfin, il y a eu toute une période où j'ai fait que c'était au-delà de tout ce que je rejetais avec la logique complotiste en disant « Ouais, à qui hein, ?» à qui profite le crime? Ouais, non, maintenant c'est aux sionistes qui sous faux drapeau, qui machin, machin. Toute cette logique s'est envolée à cause de ces attentats-là de 2015. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vraiment j'étais. Je ne sais même pas, je réfléchissais même pas quand je suis parti à la manifestation Place de la Nation contre, justement, contre ces attentats-là pour les victimes et tout. Vraiment, c'est là que vraiment la transformation a commencé à s'opérer à moi. Je me rappelle, j'ai commencé même à aller regarder les chaînes que je n'aurais jamais osé aller regarder à l'époque. Je me rappelle d'une chaîne qui s'appelle. Je pense que les juifs qui regardent cette vidéo sauront de quoi je parle. Gizen TV, c'est l'ancêtre de i24 News. Voilà. Hein, j'ai même vu la transformation entre Gizem TV et i24 News. C'était à cette époque-là vraiment que j'ai commencé à regarder cette chaîne que je n'osais pas regarder à l'époque. Parce que pour moi, c'était la mythomanie, etc., etc. Et j'ai été frappé par certaines informations qu'ils délivraient sur ces chaînes que je trouvais pertinentes. Et quand je retournais après dans mon monde complotiste, voir la même information analysée maintenant sous l'œil du complotisme et tout cela, c'est là que j'ai commencé à voir le ridicule en fait de nos analyses complotistes en fait à l'époque. C'est là que j'ai commencé à voir ce dont parle, en fait, à voir que c'était des imbéciles en fait. J'étais dans l'opium, je fumais l'opium des imbéciles en fait. Et du coup, ça a commencé à devenir moins drôle quand j'ai vu que les mêmes complotistes analysaient les événements en Afrique avec la fenêtre complotiste. C'est là que j'ai réalisé, puis je me suis dit, waouh, hey, le complotiste va faire du mal en Afrique. Et depuis cette époque-là, quand je regarde comment les soi-disant militants analysent les faits, les événements en Afrique, franchement, j'ai la chair de poule. Je suis triste. Des fois, j'ai même envie de pleurer. Quoi. Parce que je me dis, waouh, c'est pas possible. Bon, je parle même pas de la pandémie. Alors là, la pandémie, ça a été le lâcher.